Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où le héron au long bec emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente, ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère la carpe y faisait mille tours avec le brochet, son compère. Le héron en eût fait aisément son profit. Tout s'approchait du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eût un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à 6 heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mets ne lui plut pas. Il s'attendait à mieux et montrait un goût dédaigneux comme le rat du bon Horace. « Moi, des tanches, dit-il, moi, héron, que je fasse une si pauvre chair, et pour qui me prend-on ? » La tanche rebutée, il trouva du goujon. « Du goujon, c'est bien là le dîner d'un héron, j'ouvrirai pour si peu le bec, à Dieu ne plaise. » Il l'ouvrit pour bien moins. Tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit. Il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner. Surtout quand vous avez à peu près votre compte.